J'ai couru vers le Nil, c'est le dernier roman d'El Aswani chez Actes Sud. L'auteur décrit l'Égypte comme personne, avec pour commencer une comédie de la société qui est vraiment très drôle, avec toutes ses hypocrisies, y compris religieuses, et puis toutes ses compromissions, enfin toute la corruption, voilà. Et puis on va tendre petit à petit vers la révolution qui est le véritable sujet du livre, cette place Tahrir où elle a eu lieu, qui en est le symbole, et la destitution de Moubarak. C'est toute cette jeunesse qui s'est rebellée, tous ces espoirs qui ont été finalement réduits à néant par une répression terrible. Et là, on a droit à des témoignages, de vrais témoignages de gens qui ont vécu cette répression et les choses terribles qui sont passées. Il a changé les noms, bien sûr, et ça devient vraiment passionnant et très très fort, très poignant en fait. Et puis, enfin, la désillusion de toute cette jeunesse, puisque la société égyptienne, finalement, voulait-elle vraiment cette révolution? C'est ce que vous découvrirez dans ce livre qui est interdit en Égypte, qui est un grand livre sur l'Égypte qu'on a la chance d'avoir en France.